2079, je fais de ma 9ème décennie. Assis sur un banc, je rembobine le long fil de ma vie. Plus personne autour de moi, je perds mes repères. Je suis le petit dernier d'une famille, mais dernier sur terre. Le son de ce piano favorise cette rétrospective. Malgré mon pessimisme, mes pensées restent positives. Je regarde le ciel et je me rapproche des gens que j'aime. J'ai leur amour dans le sang et bien ancré dans mon ADN. Les images se succèdent comme si la fin était toute proche. Partir ne m'effraie pas, même si la mort fait son ébauche. Ce recul suscite en moi une émotion torride. Les yeux plissés, les larmes s'immiscent entre mes rides. À en voir de plus près, je suis pas seul sur les photographies. La mémoire collective s'associe à l'autobiographie. En pleine mélancolie, cette chanson me transporte. Je me laisse emporter par cette voix qui m'escorte. L'horizon devient sombre, ma torche est l'écriture. Je vis dans le passé car dans le présent je n'ai aucun futur. La marche est inversée car les regrets ont pris la place des rêves. Car incapable de dire je t'aime à tous mes êtres chers. Emporté par le son et transporté par les songes. Le passé un trésor de sentiments dans lequel je plonge. Mon corps demeure une fleur fanée qui cessera de mûrir. Je lutte même si les saisons me feront plus fleurir. L'horloge tourne, le temps m'est désormais compté. Mes sens disparaissent, mon corps un instrument désaccordé. Ma vue demeure une corde qui est sur le point de céder. Mais le son de ma voix perdura avant que je sois décédé. Loin des yeux mais près du cœur, l'amour est rescapé. Comme le visage mes proches tatoué jusqu'à l'éternité. Une embolie cardiaque ferme ce livre de manière brutale. La pièce, une belle histoire, c'est juste dommage qu'elle finisse mal.